Et bien bonjour à tous, les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ori and the Blind Forest. Encore une fois, je vous retrouve sur l'écran titre. Et en ce moment, j'aime bien faire ça. Je trouve ça extrêmement stylé. Le son est 30 fois ou 3 fois. Bon, excusez-moi. On va continuer. Donc la dernière fois, on s'était arrêté à la Vallée des Vents. On avait fait le bois brumeux, si je me souviens bien. Le bois brumeux qui n'est pas la plus facile des zones, mais que nous avons quand même réussi. Et nous étions arrivés aux ruines éplorées, je crois que ça s'appelle. Confirmation. Confirmation. Aujourd'hui, on va se taper les ruines éplorées. Et la prochaine fois, on se fera du bonus. Parce que j'ai toujours pas réussi à remonter. Alors, les ruines éplorées, si je m'en souviens bien, ça va être très très chaud. Je regarde le timer, nous sommes à 1 minute. Ok, attendez 2 secondes. Ok, on y va. Les ruines éplorées, c'est ici que vivent les Gumons. Ils bâtissent d'incroyables structures et les imprègnent de la lumière de l'arbre aux esprits afin de les protéger. Oh non. Ces Gumons ont été pris dans la glace et n'ont pas pu s'enfuir. Lorsque l'élément des vents a perdu sa lumière, ces ruines sont devenues leur tombe. Ils sont congelés, quoi. Oups, oh, excusez-moi. Ok. Je n'avais pas vu. Les Gumons étaient d'ingénieux inventeurs, ils anticipaient un avenir prometteur qui n'arrivera jamais. Tu vois ce brasier de lumière spirituelle? Il est utilisé pour préserver la lumière de l'arbre aux esprits. Ok, alors là tout se va se jouer avec en fait. Tout ce qui est habituellement bouillant va devenir glacé. En fait on va avoir, voilà, là on est collé, en gros on a la gravité qui change. Là c'est pour vous, les moi les touches changent absolument pas. Hein, donc, Oh, j'aurais peut-être dû rester au-dessus. Est-ce que c'est une erreur grave que je viens de commettre? Non, dommage. Ok, on va essayer d'y retourner. Voilà. Ok. Allez, continue par le haut, j'avais pas vu. Voilà. Je me concentre un peu plus hein, parce que comme je l'ai l'habitude de le dire, les jeux de plateforme sont censés être mes jeux de prédilection. Pour y avoir joué de nombreuses fois, mais on n'est jamais un pro sur les jeux de plateforme, je trouve. Voilà. Alors là, comment ça se passe? La musique est vachement stylée. Ça me rappelle beaucoup Harry Potter. Je sais pas pourquoi. C'est assez tendax, hein. J'ai plus beaucoup de points de sauvegarde disponibles, donc je vais le garder. Ok, alors ça je m'en rappelle très bien. Je
pense que nous allons descendre. Ici, à mi-chemin. Et c'est tout. On pourra plus en mettre un. Voilà pourquoi je vais faire du off avant de continuer là. Parfait. Est une vraie douceur. J'adore les musiques de ce jeu. Vraiment, de toute façon, je pense que Blind Forest est l'un de mes jeux préférés. Aussi loin que possible. Voilà, alors particularité, on garde la gravité même quand on saute. Même des bizarreries comme ça. Voilà. Je veux. Comme ça. Voilà, et de 1. On fait demi-tour, on va chercher l'autre. D'ailleurs, je vais sauvegarder. Voilà, nice. Parce que je l'avais oublié la première fois que j'ai fait le jeu, je me rappelle. Ok. Je retourne, je sauvegarde là quand même. Heureusement, j'ai sauvegardé là. Deux fois même. Ah ouais, mon dieu. Faut que je me concentre, les gars. Évidemment. Ça me fatigue quand je fais de la merde comme ça. Voilà. Pas trop de tentatives. Après le jeu, c'est vrai que il est pas non plus extrêmement dur, mais bon. Je vais lui laisser le temps de refaire un tour. En vrai, je pourrais faire ça. Merde. J'avais oublié la gravité, en plus je vous l'ai dit juste avant, oh, j'ai perdu la gravité, je suis pas là, je m'étais fait avoir. J'oublie. Le bleu, je suis. Alors. Mais par là, ça a l'air d'être par là la suite. S'il y a la pire carte à mettre. Ouais, t'es bon. Merci. Par là. Ok, c'est qu'il faut aller foutre les trucs. Je pense qu'il doit avoir un truc au-dessus d'elle parce que. Ah, j'avais la pire carte, je ne savais pas. Nice, ok. Et les deux autres bouts sont là, donc il faut remonter par là et on va faire le tour comme ça. Voilà. Là on pourra sauter PC, c'est vraiment cool. C'est exactement ce que j'aurais pu vouloir pour pouvoir repartir dans toutes les zones. Maintenant qu'on y est, on y reste. L'avantage c'est qu'on a que récupérer tous nos points de sauvegarde. C'est vrai que vous pouvez penser que je ne fais pas grand chose au niveau des dégâts et c'est vrai. J'aurais pu augmenter la branche des dégâts pour one shot les ennemis.
Mais c'est surtout un jeu de plateforme avant d'être un jeu de combat. C'est vrai qu'on peut grimper. Voilà, j'ai trop envie de dire. Ça fait 3 fois qu'il me tire dessus et que ça passe 4 fois que ça passe à travers moi. Je le prends bien, je dois avouer. Ah putain, c'est chaud. Merde, fallait s'en servir pour Non, d'accord. Pour moi, c'est moi qui suis stupide. Mon dieu, j'avais oublié celui-là. Ouais, je m'en doutais. J'ai vu venir. J'ai vu qu'il allait faire. Je croyais qu'il allait faire un tour entier en fait. Et elle est re. Voilà, ça c'est fait. Pas passé, enculé. Bah déjà, on a tous les... Voilà, au moins, j'ai mon point de sauvegarde. Voilà. J'ai une petite sauvegarde. Là, on y retourne. Aucune fucking idée de ça, ça fait mal, ça je le savais. Quel intérêt de venir ici? Pour redescendre, oui, pas pour moi. Ah, oh ben non, y'a rien. Je vais ouvrir ma déception. Voilà. Ah non, 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 fais pas de conneries, gamin. Je sens que ça va partir sur un... Je me souviens plus très bien de... Non, je sais plus. L'hôtel devait alimenter toute leur invention. Regarde-le donc maintenant. Regarde ce qu'il fait. Ok. Je crois que ça avait sauvegardé, mais j'ai sauvegardé une deuxième fois par-dessus.
demande si Gomo sait ce qui est arrivé ici. J'espère qu'il nous pardonnera le fait que nous ayons survécu alors que nous le sommes. Oh, j'ai eu chaud. Non, j'allais dire, j'ai eu chaud aux fesses ou... Parce que je pensais que j'aurais dû crever. On y va en deux fois plus concentré. En trois fois moins. Oh, c'est traître. Oh, mon Dieu, j'y étais. Moins bien. Voilà, c'était terrible. Ok, trois fois encore pire. Concentration. En plus, je suis bloqué dans le truc là, à chaque fois ça m'énerve. J'arrive plus à sauter. Et oh! Et je vais m'énerver. La grosse malade. Je pense qu'il faut aller là. Ah non, en fait, où est-ce qu'il faut aller? Je suis perdu, attendez. Attention. Où est-ce qu'il veut aller? Là? Comment j'ai survécu? On peut me dire? Oh, j'allais faire un scandale. C'est chaud. Oh, 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 j'avais pas vu ça. Il est au coup de bol les gars. Oh bah tiens, pardon, une cellule de vitalité. D'ailleurs, combien de temps je suis moi? Je sais même pas. La carte me dit quoi? Elle m'a dit que je suis coincé, qu'il fallait pas aller par là mais par là-bas. Vas-y, encore plus, toujours plus. Ori. Mon Dieu. Putain, j'ai rare de quand tu fais ça. Toujours plus. Ah, accroche-toi sur le fucking mur. M'accrocher là? Non, j'ai pas fait ça.
Mon dieu, faut aller où du coup? Je suis là, faut aller à gauche. Une question de gauche, hein. Mon dieu. De quoi sauvegarder, s'il vous plaît? Oh, ça craint. J'ai pas de quoi sauvegarder. On y va. Oh, t'as... L'élément des vents se trouve devant nous, au cœur de cet endroit. Ces ruines sont les derniers vestiges des Gumon, le rappel du triste sort de ce peuple. Gumon a perdu ceux qu'il aimait et le dernier de son espèce. Ori, nous ramènerons la lumière pour Nibel et pour la mémoire des Gumon. Ravivons l'élément des vents. Par ses paroles, il décida d'agir. Pas comme ça. Allez. Et oh, la merde. Nid de Kuro. Dans le nid de la chouette. Alors pour vous dire, j'ai pris énormément de temps à faire cette partie. C'est sans doute l'un des trucs les plus durs que j'ai fait et je me rappelle pas que c'était aussi hard. Thank you.
Eh bien écoutez, c'est après cette grosse note de tristesse que nous allons le laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle a été très longue à tourner. J'avais dit pas plus de 20 minutes pour l'épisode d'Ori. Je crois que j'ai fait un montage de l'infini. Et j'espère que d'ici là, vous vous porterez bien. Allez, ciao!